Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce numéro de C'est à dire. La tuberculose est une réalité en Côte d'Ivoire autant qu'elle est partout dans le monde. C'est une maladie qui se propage dans l'air et dans les grands rassemblements tels que les événements sportifs comme la CAN peuvent favoriser justement la transmission de la maladie en raison de la proximité des individus. Comment peut-on se prémunir de la tuberculose en période de CAN? Pour en parler, madame, monsieur, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau monsieur Kamagaté Mamadou. Il est le président de l'ONG Le Flambeau. Monsieur Kamagaté, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'être sur cette info en cette période de CAN. Merci beaucoup. Ça va? Je suis très heureux d'être sur le plateau de cette info. Alors on parle de période de CAN. Hein. Comment vous vivez hein, cette CAN en Côte d'Ivoire? Oui, avec assez d'émotion quand même, hein, madame. C'était avec assez d'émotion, mais nous sommes confiants que la Coupe restera en Côte d'Ivoire. La Coupe restera en Côte d'Ivoire, en tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de CAN, mais on parle également de maladies. Tuberculose en période de CAN. On sait que la tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent les poumons. Elle est causée par un type de bactérie qui se propage dans l'air, on l'a dit. Quelles sont les personnes justement susceptibles, monsieur, de faire cette maladie-là? Il y a quand même des facteurs de risque de la maladie, il faut reconnaître. D'accord. Ce sont les personnes malnutries, les personnes dénutries, les personnes qui ont des maladies chroniques, telles que le diabète, la tuberculose, telles que le diabète, le VIH-Sida, le cancer. Et aussi, quand ils abusent aussi de certaines substances telles que le tabac, l'alcoolisme et puis la toxicomanie. Voilà des personnes qui sont susceptibles de contracter la tuberculose. D'accord, la CAN, c'est chez nous, c'est en Côte d'Ivoire. Justement, quels sont les défis auxquels la Côte d'Ivoire fait face en matière de lutte contre la tuberculose? Oui, parlant de défis, il faut reconnaître que c'est quand même assez. D'abord, nous avons la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté avec son corollaire de problèmes tels que la promiscuité. Les gens y vivent dans des conditions déplorables, misérables. Il faut le reconnaître. Oui, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours vrai, franchement. Donc, toutes ces choses-là sont susceptibles justement de favoriser la maladie. Favoriser la maladie, surtout la promiscuité, vous voyez. On a également la tuberculose infantile ou la tuberculose pédiatrique. Vous voyez, ça aussi, c'est un défi. En 2022, nous avons eu 957 cas de tuberculose infantile. C'est énorme. Il y a aussi le nombre de décès. En 2022 également, nous avons eu 1655 cas de décès, vous voyez, dus à la tuberculose. Enfants comme adultes. Enfants comme adultes, c'est énorme. Nous avons également la stigmatisation, vous voyez, l'accès aux soins. Et puis, il y a la violation aussi des normes de gratuité de la tuberculose. Hein, du traitement et du diagnostic de la tuberculose. Il faut dire que c'est une maladie qui touche tout le monde, hein, tout qui le peut monde. Toucher tout le monde. Qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. Oui. D'accord. Alors, M. Kamagaté, on comprend aisément qu'il est important de parler de cette maladie-là, mais en période de CAN, justement, on va mettre les pieds dans le plat. Quelles sont les dispositions, d'abord, que les organisateurs doivent prendre pour, justement, lutter contre cette maladie qui se transmet facilement, on l'a dit? D'abord, pour les organisateurs, ce qu'il serait logique de faire, c'est de dépister tous ceux qui font leur entrée dans les stades. Vous voyez? Mais dans la pratique, c'est quasiment impossible. Oui. Vous voyez, dépister 60 000 personnes en quelques heures, c'est quasiment impossible. Donc, tout ce que nous leur conseillons, c'est la sensibilisation et puis le port du masque. Mais là, ce qu'on voit déjà, les matchs se jouent depuis le 13 janvier. Bien sûr. On ne voit pas de port de masque. C'est quoi? Est-ce à dire que la sensibilisation n'est pas faite à votre niveau pour aider justement ces personnes-là sur cette maladie? Oui, depuis même avant la CAN, avec Alliance Côte d'Ivoire, nous avons mené des activités de sensibilisation dans le milieu du transport. D'accord. Vous voyez? Et je pense que la sensibilisation se fait, mais l'homme est ce qu'il est, vous voyez. Sinon, les sensibilisations se font et continuent de se faire
dans les villages Cannes, autour des stades, nous leur conseillons de porter le masque. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que les conditions climatiques jouent quand même en notre faveur. C'est-à-dire? Il fait très chaud. Et le béca ne résiste pas aux rayons ultraviolets, c'est-à-dire aux rayons de soleil. Vous voyez, c'est le béca, il faut préciser, c'est le virus. Voilà, c'est le virus de la tuberculose. De la tuberculose. Oui. C'est ça, c'est la bactérie. Qui, parce qu'il est en forme de barre. Voilà pourquoi on appelle le bacille de coq. C'est ça. D'accord. Et ces personnes-là qui présentent ces symptômes, enfin les symptômes de la tuberculose et qui désirent se rendre au stade, par exemple, qu'est-ce qu'elles devraient faire après, hormis porter les masques? Quelle attitude à avoir, justement? Je sais que je peux faire la maladie. Comment faire pour ne pas contaminer l'autre à côté? C'est quoi les différentes... Oui, il y a quand même des gestes très simples qu'on croit anodins, mais qui sont des gestes vitaux quand même. C'est-à-dire, hormis de porter le masque, il faut éternuer ou tousser dans le pli du coude. Quand on n'a pas de mouchoir, de papier mouchoir, éternuer ou tousser, voire même cracher dans le papier mouchoir et mettre dans un sachet et le porter à la poubelle après, il faut le faire. Ça stoppe la propagation du béca. D'accord. C'est vrai que vous parlez du village de Cannes, mais est-ce que vous voyez des médias pour communiquer justement sur le sujet? Parce que moi, du coup, ça m'effraie. On voit tellement de personnes dans les stades, mais figurez-vous qu'une personne faisant la maladie peut facilement contaminer les autres, mais on n'entend pas vraiment cette sensibilisation se faire durant cette période de Cannes-là. Oui. Vous vous rendez, c'est vrai, dans les villages Cannes, mais est-ce que c'est relayé par les médias? Est-ce que vous communiquez assez, justement, sur l'importance de faire attention à cette maladie-là? Oui, il faut savoir que nous faisons la sensibilisation depuis longtemps, depuis, comme je l'ai dit, avant même la Cannes, mais seulement que ce n'était pas relayé dans les masses médias. Mais aujourd'hui, voilà que je suis sur le plateau de cette info pour en parler, et avec le REPMASI, Alliance Côte d'Ivoire, avec le financement d'Alliance Côte d'Ivoire, bien sûr, je continue de saluer la directrice exécutive d'Alliance Côte d'Ivoire, le docteur Madiara Koulibaly, qui a mis à la disposition du REPMASI les moyens de faire une campagne en multimaladie dans les villages Cannes, Abidjan et à l'intérieur, qui seront relayés dans les masses médias le plus tôt possible. D'accord, mais déjà quand vous vous rendez dans les villages Cannes, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous dites aux populations présentes dans ces villages à qui eux sont focus sur les matchs? Bien sûr. Vous venez là à l'instant T là pour sensibiliser, comment vous les approchez et quels sont les mots que vous leur dites précisément? D'abord, quand on parle d'une maladie telle que la tuberculose, automatiquement tout le monde reste attentif. Hein. Alors nous leur parlons du mode de contamination de la tuberculose et les moyens de prévention de la tuberculose. Et ce qui est intéressant, nous leur disons que la tuberculose, c'est une maladie qui est aéroportée, c'est-à-dire dans les fourris de la fête. Vous pouvez prendre le béca de vos voisins tout juste à côté qui, dans les fourris également, tous crient, chantent. Ben oui, mais on crie voilà. Tous, hein, lors des matchs. Voilà, tous. Lors des matchs, on crie donc, tous. Ouais, on ne sait pas attention. Qui est malade, qui n'est pas malade. On leur conseille vivement de prendre, d'utiliser le masque. C'est très, très important. C'est un moyen de prévention qui est d'une grande utilité. D'accord. Et est-ce qu'il y a des questions qui vous reviennent lorsque justement vous sensibilisez ces populations-là? Quelles sont les questions qui vous reviennent? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes-là? Généralement, nous disent, mais la tuberculose, c'est lorsqu'on tousse simplement, non. Mais ici, là, nous, on ne tousse pas. Donc voilà. Il y a des stéréotypes déjà bloqués dans l'esprit, et c'est difficile quand même. C'est très difficile, mais quand même, nous arrivons quand même à les faire changer. D'accord. Nous sommes allés tout dernièrement dans un village car nous avons parlé de la tuberculose. Vraiment, les gens étaient stupéfaits. Vous voyez, ils étaient stupéfaits, ils étaient choqués de voir qu'ils ont pris tant et tant de risques
à ne pas se protéger quand même. Il y a certains qui disent qu'ils sont allés au stade, ils avaient des voisins qui toussaient, qui éternuaient et tout, et tout. Voilà. Donc, vous imaginez la peur que cela peut susciter, mais nous leur disons qu'il n'y a quand même pas de problème à se faire parce que nous sommes là, nous sommes prêts. Et la Côte d'Ivoire a quand même des centres de prise en charge de la tuberculose, donc il n'y a vraiment pas de problème. Lorsque vous sentez les premiers signes de la toux, une toux traînante de plus de 2 semaines, il faut se rendre directement dans un centre antituberculeux. Une toux traînante de plus de deux semaines. D'accord. Pas plus, pas moins. D'accord. 2 semaines. Et on va directement dans un centre. Oui, vous allez directement dans un centre de prise en charge de la tuberculose, un centre antituberculeux ou un CDT, un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Vous en avez partout en Côte d'Ivoire. Vous en avez partout en Côte d'Ivoire, partout à Abidjan. Voilà, il suffit de demander pour être situé. Voilà. Et là-bas, la prise en charge se fait entièrement gratuitement. Gratuitement, c'est bon de préciser. Oui, gratuitement. Le diagnostic et le traitement de la tuberculose, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. D'accord. Maintenant, la CAN finit le 11 février. On a eu des accolades, on a sauté, on a crié. Est-ce qu'après ça, il sera intéressant pour chacun, peut-être pour ces personnes-là qui sont rendues au stade, d'aller comme ça intuitivement vers des centres pour se faire dépister ou bien pas forcément? Il faut avoir les premiers signes. Oui, pas forcément les premiers signes. On a ce qu'on appelle le traitement, comme on appelle le diagnostic précoce de la tuberculose. D'accord. Qui peut se faire. Voilà, vous avez participé à de grands événements. C'est pas seulement la CAN, on a aussi les spectacles, les grands spectacles. D'accord. Dorénavant même, je pense que nous sommes en train de voir, on sera partout. À tous les grands spectacles qui vont s'éteindre en Côte d'Ivoire. Okay. La santé, surtout le programme national de lutte contre la tuberculose en partenariat avec le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et Alliance Côte d'Ivoire, nous allons le mettre en partenariat chaque fois qu'il y aura de grands événements socio-culturels. Voilà, nous serons présents. Nous allons mettre des stands sensibilisés et pourquoi pas faire le diagnostic précoce de la tuberculose. Et cette info sera toujours là pour vous accompagner aussi. Ça sera vraiment un plaisir pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là maintenant pour donner des conseils à toutes ces personnes-là qui sont encore en plein dans les matchs, qui vont dans nos stades pour vivre le déroulé de ces spectacles footballistiques? Quels conseils vous pourriez leur donner? Conseil préventif, on va dire ainsi. Oui. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on perde de vue cette maladie, la tuberculose. Comme on le dit, on ne voit pas venir la tuberculose. C'est une maladie qui est aéroportée. Elle se propage d'une personne à une autre. À une autre. Lorsque, notamment, les personnes atteintes de la tuberculose toussent, chantent, crient ou éternuent. Vous voyez? Donc, elles émettent dans l'air des particules, des postillons de crachats qui renferment des millions de bactéries. Vous voyez, il suffit d'en inhaler quelques-unes pour qu'on soit contaminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on va dans les lieux publics et les transports en commun? C'est de porter un masque de protection. C'est tout. Parce que, comme je l'ai dit, l'idéal serait quand même de dépister tous ceux qui arrivent, mais dans la réalité, c'est difficile. Dans la pratique, c'est quasiment impossible. 60 000, 40 000, 25 000 personnes dans quelques heures, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut que chacun se protège en portant vraiment un masque de protection. En tout cas, c'est vrai que nous sommes en plein dans l'euphorie des matchs. Ne perdons pas de vue notre santé. Surtout. Et cette info est là pour communiquer sur tous ces gestes-là, afin que nous puissions être en pleine forme. Franchement, c'est un plaisir pour nous. Et puis, à cette info aussi, si vous permettez, nous allons venir le plus souvent possible pour vous faire le point de nos activités jusqu'à la fin de la CAN. Le 11, c'est pas trop long, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand tout même. Avant le 11, vous voyez que nous sommes toujours dans la course. Exactement. Et lorsque les éléphants jouent, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en euphorie. On perd beaucoup certaines choses. On prend assez de risques.
Donc, il faut qu'on soit concentré sur la maladie, la tuberculose. En tout cas, nos portes vous sont ouvertes. Merci beaucoup. On a pris beaucoup de bonheur à vous recevoir. Merci infiniment. C'est partagé. Madame, monsieur, je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Kamagaté Mamadou, président de l'ONG Le Flambeau. Et avec lui, on a parlé des gestes préventifs pour éviter de contracter la maladie qui est la tuberculose. Faisons attention, prenons soin de nous. C'est vrai, on crie, on est content, nous sommes dans l'euphorie des matchs. Mais notre santé passe avant tout. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. À bientôt.